Hallelujah, hallelujah. Give him praise, give him praise. Worship his name, hallelujah. Lobo Sakataya. Confidence in you. Yes. My Savior. Confidence in you. Hallelujah. Give him praise. Hallelujah. Confidence in you. Yes. Lobo Sakataya. Hallelujah. I am confident in you. Nobody knows how to confess to you. Massacre la bache. Hey. I am confident in you. Hallelujah. J'ai confiance à toi, Seigneur. Robo Chataya. I am confident in you. Nobody knows how to confess to you. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. I am confident in you. Robo Shata, sing my brother, sing my sister. Say you are confident to God. Hallelujah. Nobody has ever been as confident as you. Hey, Robo Shata. Robo Shata. Let your Holy Spirit come and take control. Control over the world. Control over the nations. Control over the lives. Holy Spirit, take control, take control. We need you in this moment. We need you, Father. Come and take control over the world, over the nation. Jesus, Robo Sakaya. Come and take control, Father. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Robo Sakara Bashata. Hey, yeah, yeah, yeah. Father, we give you praise. We give you praise. We give you praise. Praise him. Praise him. Praise him. Give him praise. Give him praise. You deserve all the glory, Father. You deserve all the honor. Robo Shakata. Mazokataya. Robosa. Robosa. Lebrazokataya. Hallelujah, Seigneur. Besai Komorae. Lobanaya Zonali Borayo. He is Alpha and Omega. He is the beginning and the end of every situation. No one is like him. We call him Jehovah. We call him Elohim. We call him Jehovah Jireh. We call him Elohshabbat. Hallelujah. Masaka. No one is like you, Father. That's why we sing. Hallelujah. We sing and we say, hallelujah, Father. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yeah, you sing it. Hallelujah. Oh, hallelujah, toi. Hallelujah, Masakala Mashata. Hallelujah. Rivocete. Hallelujah, 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 hallelujah. I thank God for your life. I thank God for your life. You are following me everywhere you are. I bless God for your life. There is a reason in every season. This is your season to embrace God. Ça, c'est ta saison d'embrasser Dieu, de connaître Dieu, de l'aimer davantage. This is your season. Don't miss it. Because God is in the business to visiting people. God is in the business to save life, to bless life, to deliver people. Robo Shataya. Il est élevé. Dans les lieux, c'est élevé. Robo Shataya. Hallelujah. Hey. Quel est ce nom de Jésus? Il est grand. Il est puissant. Son nom, tu vas vaincre. Dans tout ce que tu es en train de travailler, tu vas vaincre. You will prevail. You will prevail. No matter your situation, even though you have been diagnosed, even though you are going through challenges,
In the name of Jesus, you will prevail. You will overcome. Tu vas vaincre ta situation. Tu seras victorieux. Au nom de Jésus. Sing with me. Lorsque je suis vainqueur. Begin to proclaim it. Claim it. Claim it. Claim it. Claim it. Robo Shasa. Claim it. Claim your victory over the death. Claim your victory over the sin. Claim your victory. Déclare ta victoire sur le péché. Déclare la victoire sur la mort. Alléluia. Yes, you do. Yes. Yes, sir. I prevail. Robo Shataya. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is for you. Ça, c'est pour toi. Robo, je suis vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis vainqueur par le sang de Jésus. I am a conqueror by the blood of Jesus. Remo Sankataya. I am a conqueror by the blood of Jesus. A brave Nana Longi Elos. Nana Longi. Ozo Long Ananda Korayo. Yes, sir. Yes, sir. Nana Longi. Okolonga. Que le monde le veuille ou pas. Alléluia. Come and quench this thirsty, oh my soul. Breath of heaven. Feel me till I want no more. Fill my cup. Fill it up. And make me whole. Remplis-moi, Seigneur. Enlève cette soif. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon corps est vide de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Remplis-moi, Seigneur. Afin que cette soif puisse partir de moi, Seigneur. Souffle de vie. Souffle de Dieu vivant. Remplis-moi, Seigneur, de ta présence. Fill my cup, fill it up, and make me. Alléluia. And make me. Alléluia. Fill my cup, remplis-moi, Seigneur. Cet après-midi, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es Dieu, remplis-moi, Seigneur. Hey! Yes, you are the Lord. Robo Shata, give him praise, give him praise. Most high. Don't just contemplate me. Look unto the Lord. Give him praise. Worship him. Adore him. Tell him what he is for you. He's your Lord. Is your Savior, is your Redeemer, il est ton Rédempteur, il est ton Sauveur. Oh, ça, Alléluia. Masakaraba Shataya, Robo Shakaya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je bénis ton nom cet après-midi. Je rends Dieu des actions de grâce pour ta vie. Toi qui es en train de me suivre cet après-midi. I don't know where you are. Je ne sais pas où tu es. Mais sûrement tu es en train de me suivre. Quel que soit là où tu es. I can assure you that God is in control. Hallelujah. Maman Grâce, je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit là-bas en ce moment, que Dieu est au contrôle. Amen. Il est au contrôle de ta situation. Amen. Il est au contrôle de ta vie. Amen. Il est au contrôle de ta destinée. Amen. Il est au contrôle de tout ce que tu es en train de traverser. Father, we give you praise, we give you glory. We elevate you in this moment. Receive all glory because the glory belongs to you. Nous t'élèvons, Père éternel,
parce que tu es notre Dieu. En ce moment, Seigneur, nous te prions que tu puisses recevoir tout l'honneur, la gloire, la majesté, parce que la gloire belong to you. Amen. Seigneur, merci. Puisque tu nous as remplis de ton esprit, nous prions que tu puisses nous parler cet après-midi. Visite chacun de nous. Fais-nous du bien cet après-midi. Enlève cette soif qu'il y avait en nous. Et que la vie qui est en Jésus-Christ prenne place dans nos corps, dans nos âmes et dans notre esprit. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie cet après-midi, bien-aimé. Amen. Toi qui es en train de me suivre, parce que je dis que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Il a travaillé pendant des jours, et le septième jour, il s'est reposé. Et ce jour-là, c'est le Shabbat. Alléluia. Amen. Dieu se repose pour contempler les créatures que nous sommes, qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Rien ne pourra nous empêcher, bien-aimés, de célébrer Dieu, ni d'adorer Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes là. Je sais, bien-aimés, qu'en ce moment, la foi de beaucoup de gens sont challengées. Alléluia. La foi de beaucoup de gens est en train de bouger pendant ce moment. Toi qui es en train de faire le business, de faire quoi que ce soit, de sortir, de faire tout ce que tu sais faire dans la vie, et qu'un jour, tout s'arrête. Il y a des gens qui se posent, où est ce Dieu? Alléluia. Mais moi je pense, bien aimé, que pendant ce moment, chacun de nous, là où tu es, dans ta maison, alléluia, tu dois commencer à réfléchir sur ton lendemain. Alléluia. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, ça va passer certainement. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre, ça va passer. Mais tu dois commencer à penser déjà, bien aimé, au lendemain. Alléluia. Amen. Vous savez, la foi d'un chrétien ou la foi d'un croyant, alléluia, a toujours été basée sur deux aspects. Alléluia. Amen. Les deux aspects, c'est l'aspect spirituel et l'aspect physique. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de deux aspects, nous voyons la vie sur la terre et la vie au ciel, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ces deux aspects, bien-aimés, arrivent toujours dans nos vies. Mais souvent, les gens prioritisent, donnent des priorités à l'aspect que nous sommes en train de vivre sur la terre. Alléluia. Amen. Les gens bien-aimés, ils font priorité à ce que nous voyons, à ce que nous touchons. Quelle sera ma vie demain? Qu'est-ce que je vais m'en vêtir? Qu'est-ce que je vais manger? Mais la Bible dit, ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Dans les deux aspects, l'homme donne toujours l'avantage. Alléluia. Même là, pendant les tragédies que le monde est en train de traverser, les gens, dans leur pensée, alléluia, ils sont en train de voir quand ça va se terminer, ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Quand ça va se terminer, qu'est-ce que je vais devenir? Alléluia. Bien aimé, je vais te dire, c'est bien de combattre pour le premier aspect, mais c'est aussi bien de regarder le deuxième aspect. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Seek first the kingdom. Alléluia. And everything which will be handed to you. Alléluia. Bien aimé, j'étais en train de prier. Hier, très tôt le matin, vers 2h. Et je disais, Seigneur, quel est le message que je veux apporter à la nation entière qui va te suivre ce dimanche? Le Seigneur me renvoie. Il me pose la question à moi. Il dit, où est votre foi? Alléluia. Amen. Le Seigneur me renvoie la question. Il me dit, où est votre foi? Toi qui es en train de me suivre
En ce moment, you are watching this program. I will ask you the same question. Where is your faith? Où est ta foi? Hallelujah. Amen. Because of these things, you are losing your faith. Hallelujah. Amen. Et le Seigneur m'a donné un passage dans le livre de 8. Luc 8. Alléluia. Amen. Luc 8, 22 jusqu'à 25. Et maman va nous lire Luc 8, 22 jusqu'à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Mm-hmm. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fendit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Ah. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Alléluia. Quel est celui-ci qui commande même aux eaux et au vent, et lui obéissent. Alléluia. Amen. Où est votre foi? Where is your faith? We know this story. Alléluia. Jesus told his disciples, he said, let's cross over on the side. Jésus a dit à ses disciples, il a dit, traversons de l'autre côté de la mer. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde est en train de paniquer comme les disciples. Le monde, face à cette tragédie, le monde est en train de paniquer. Même toi tel que tu es, à cause de cette maladie, à cause de cette situation, les médecins t'ont dit des choses. Tu es en train de paniquer. Alléluia. Amen. Depuis que nous avons commencé notre retraite, le Seigneur nous a poussé à mettre les gens en confiance. Le Seigneur nous a amenés à mettre son peuple en confiance. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Où est donc votre foi? Alléluia. Amen. La Bible dit, pendant qu'ils traversaient, alléluia, Amen. Il y eut le vent qui se fondit sur le lac et remplissait d'eau. Pendant ce temps, Jésus dormait, alléluia. Amen. Pendant ce temps, Jésus était en train de dormir. Et pendant qu'il dormait, la Bible dit, ces gens-là qui étaient avec Jésus, qui traversaient avec Jésus, dans l'autre côté, ils sont accourus devant Jésus. Ils ont dit, Maître, nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de périr. Alléluia. Amen. Ils ont dit, Maître, nous périssons. Babi Jésus, tous en koufa. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de périr. Jésus dormait. Alléluia. Bien-aimé, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Alléluia. Les gens qui étaient en train de traverser avec Jésus, Jésus leur a dit, passons de l'autre bord. Alléluia. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Alléluia. Jésus ne leur avait pas expliqué que quand nous allons traverser, il y aura des tempêtes qui vont s'abattre. Alléluia. C'était important, bien-aimé. Très important. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit. Les disciples, quand ils ont vu cela, ils sont allés pour réveiller Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je sais que tempête, et c'est là qui est ça là. Abi, je sais, alléluia, que tempête, il fallait n'ingisabiso. En ce moment, bien-aimé, le Seigneur te dit, je sais. Il dit, je sais que tu es dans le trouble. Je sais que tu es dans les challenges. Alléluia. Amen. Pour nous qui avons reçu Jésus, aucunement Jésus avait dit qu'il n'y aura pas de challenge.
Le monde est troublé. Alléluia. Le monde est troublé. Les chrétiens sont troublés. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, la chose la plus importante que tu dois avoir avec toi, c'est qu'aussi longtemps que tu seras avec Jésus, amen. Alléluia, amen. Aussi longtemps amen. Que Jésus sera dans la barque où tu es, amen. Aussi longtemps que Jésus-Christ marchera avec toi, il y aura des tempêtes, but you will overcome the tempête. You will overcome la tempête, Yavilayo. Jésus sait que les tempêtes viendront. Jésus sait que les maladies viendront. Jésus sait que les troubles viendront. Mais aussi longtemps que tu es avec lui. Aïe, 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 aïe. Amen. Rabba Sataya. Ribo Sataya. Il y a beaucoup de gens qui me disent, pasteur, mais pourquoi ces choses arrivent dans ma vie? Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui me disent, il dit, pasteur, pourquoi ces situations arrivent dans ma vie? Alléluia. Nana yamaye sur la vie d'Angaye. Mais les disciples, ils étaient avec Jésus. Alléluia. Amen. Les disciples, ils traversaient avec Jésus. Quand il y a eu la tempête, bien aimé, alléluia, Jésus était en train de dormir. Les chrétiens doivent grandir et cesser de condamner Dieu. Alléluia. Les chrétiens doivent grandir. You need to grow. Quand il y a un petit rien dans ta vie, tu es en train de trembler. C'est comme aujourd'hui, le monde est en train de paniquer. Les gens sont en train de paniquer. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Même si les gens paniquent, même si les gens tremblent, bien-aimé, ton problème, ce n'est pas seulement ce que nous allons manger, ce que nous voyons. Il y a deux aspects dans la vie, bien-aimé. Nous savons que nous vivons dans la chair, mais il y a aussi l'autre aspect, bien-aimé. Robo Shataya, c'est le royaume. Amen. Hallelujah. Amen. C'est le royaume. I will shock you today. Hallelujah. During this time, some people will make it. Some people will know. Hallelujah. But if you will make it, you need to prepare yourself. Even though you will not make it, you need to prepare yourself. There is reality in life. Il y a des réalités dans la vie qu'on ne peut pas échapper. Hallelujah. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand tu es avec un Jésus, quelles que soient les réalités, que tu es en train de traverser, il te conduira là où il a promis de te conduire. Amen. Alléluia. Il te conduira certainement là où il a promis de te conduire. Il te conduira, bien-aimé. Alléluia. Le problème, ce n'était pas la tempête. Alléluia. Amen. Le problème avec les disciples, c'était qu'ils puissent arriver à la destination où ils étaient en train de partir avec Jésus. Alléluia. Amen. Your problem today is not a sickness. It's not a dryness in your life. Your problem is to arrive where God has promised to take you. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Ils étaient avec eux, puisque Jésus avait dit, allons de l'autre bord. Jésus savait qu'on allait arriver à l'autre bord. Alléluia. Amen. Jésus savait, oh bien-aimé, je viens dire à quelqu'un qui me suit, tu vas arriver. Tu vas arriver là où le Seigneur veut t'amener. Tu vas arriver à ta destination. Le COVID-19 peut laisser des dégâts. Mais pour toi qui me suis, cette nuit, tu vas arriver. Tu vas arriver dans ta destinée. Tu vas arriver dans ta destination. You will make it in the name of Jesus. Even though there is challenges, you will make it in the name of Jesus. Even though the devil is attacking your life, you will make it. The great question is this. Are you with Jesus? Hallelujah. Amen. La grande question, bien-aimé, es-tu avec Jésus?
Les disciples, ils ont paniqué. L'avantage, Jésus était à bord. Amen. Est-ce que Jésus est à bord de ta maison? Est-ce que Jésus est à bord dans ta famille? Est-ce que Jésus est à bord dans tes affaires? Est-ce que Jésus est à bord dans ta santé? Bien aimé, si Jésus est là, no matter what you are going through, comme la destinée là. Amen. Alléluia. Amen. C'est amen. Amen. Chante alléluia. Alléluia. Chante praise God. Praise God. Alléluia. Amen. Tu vas arriver amen. À ta destination. Alléluia. Amen. Je dis bien aimé, nous avons deux aspects. Il y a de ceux-là qui vont se réjouir dans les deux aspects. Ils vont voir la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Jésus soit dans ta barque. Que Jésus-Christ soit dans la barque de ta vie. Que Jésus-Christ soit dans la barque de ta maison. Si les vents, alléluia, les tempêtes viennent, si Jésus est dans la barque de ta maison, les tempêtes obéissent à une voix. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les challenges obéissent à une voix, la voix de leur Créateur. Alléluia. Amen. Les pandémies obéissent à une voix, la voix de Créateur. Si la voix du Créateur est en toi, tu parleras à cette montagne, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne obéira. Où est votre foi? Alléluia. Où est votre foi? Where is your faith? La Bible a dit, Luc 8, 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. Bien-aimé, ce que tu es en train de traverser peut obéir à une voix. Amen. Ce que je te dis aujourd'hui, amène cette voix dans ta barque. Alléluia. Amen. Quand bien même il y aura des tempêtes, amène cette voix avec toi. Quand cette voix va parler, bien-aimé, la tempête s'arrêtera et tu seras conduit dans ta destinée. Tu as une destinée avec Jésus. Amen. Tu as une destinée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux m'arrêter là. Et la conclusion à mon message is take advantage de la situation parce que tu vas survivre à cette tempête. Amen. Alléluia. Amen. You know, bien-aimé, dans ma vie, j'ai eu à rencontrer des tempêtes. À un certain moment dans ma vie, je me disais, qu'est-ce que je peux encore faire? Je me disais, est-ce que c'était possible pour que je puisse encore prêcher l'évangile? Je me disais, est-ce que c'est possible pour que je puisse encore servir le Seigneur? Parce qu'à mes yeux, c'est comme si tout était bloqué. À mes yeux, il y avait des tempêtes. Et dans ces tempêtes, je me disais à moi-même, oh Jésus, tu es en train de dormir, ma vie est en train de finir. Mais je te dis, bien aimé, ce que le Seigneur me fait voir aujourd'hui, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Amen. Alléluia. Ce que je suis en train de traverser aujourd'hui, de voir s'accomplir dans ma vie, je n'avais jamais vu ça. Mais il y a une chose, bien aimé, même si j'étais dans les challenges, je me réveille un jour paralysé. C'était des challenges. Alléluia. Je me réveille un jour, j'avais tout perdu. C'était des challenges. Mais je savais que Jésus était dans ma barque. Amen. Puisqu'il était dans ma barque, c'était possible de recommencer encore. Amen.
Quand les tempêtes s'abattaient dans ma vie, je me suis mis dans la prière. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander Dieu. Comme toi aujourd'hui, tu es en train de demander à Dieu. Tu as dit, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? C'est alors que le Seigneur s'est révélé à moi. Il me dit, mon fils David Raphaël Bilolo Kabango, even though the world has finished with you, but me, my God, have not yet finished with you. Je viens dire à quelqu'un, aussi longtemps que Jésus est dans la barque de ta vie, ce n'est pas encore fini. Même si tu es diagnostiqué, même si on a dit que tu ne réussiras pas, même si les gens t'ont abandonné, même si tu te retrouves seul, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Aussi longtemps qu'il est dans la barque, les disciples croyaient qu'ils étaient en train de mourir. Alléluia. Amen. Ils croyaient qu'ils étaient en train de mourir. Robo Shataya. Ils disaient, maître, nous sommes en train de périr. Alléluia. Bien aimé, je vais conclure pour dire ceci. Après cette pandémie, tu dois être prêt. Alléluia. Tu dois être prêt. Parce que ce que Jésus avait dit, il va le faire. Après cette pandémie, you need to be ready for the new life. Alléluia. Après cette pandémie, bien aimé, je crois que pendant cette pandémie, tout le monde doit apprendre à se préparer. Amen. Alléluia. Amen. You need to be prepared after these things, after this storm. After this challenging, you need to be prepared. Be prepared. Because à cause de cette pandémie, beaucoup de mariages vont être restaurés. Amen. Mais aussi, à cause de cette pandémie, beaucoup de gens vont se disperser. Hallelujah. Bien aimé, Bichou, à cause de cette pandémie, beaucoup de gens vont tomber en faillite. Mais aussi, à cause de cette pandémie, beaucoup de gens vont s'enrichir. Alléluia. Amen. À cause de cette pandémie, beaucoup de gens, leur vie vont être détruites. Mais à cause de cette pandémie, aussi beaucoup de vies vont être transformées. Moi et toi, qui avons Jésus, nous avons la force. Amen. Nous avons la puissance. Après avoir atteint notre destinée de faire mieux par rapport à ce que nous avons fait. Alléluia. Après cette épreuve, Robo Shataya, j'ai vu les disciples. Après cette épreuve, il y a des disciples qui ont bâti les temples pour Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la tempête voulait arrêter la vie de Pierre. Parce que la tempête savait qu'en Pierre, il y avait une destinée. Cette tempête n'arrêtera pas ta vie. Tu arriveras à ta destinée, Robo Shataya. Bien aimé, dans la tempête, Robo Shataya. Hey, ya, ya, ya. I can feel it. You will achieve. You will arrive. Tu vas arriver dans ta destinée. Au nom de Jésus, cette tempête ne t'empêchera pas d'être ce que Dieu a dit que tu seras. Amen. Robo Shataya. Be prepared. Just be prepared. I don't know about you. About me, I'm ready. Hallelujah. Amen. I'm ready. I don't know about you. About me, I am ready. Hallelujah. Because I know after these challenges, many people will become faithful to God. Amen. Hallelujah. Où est votre foi au travers de ces challenges? La foi de beaucoup de gens vont être built. Amen. Amen. God is in the business of building a new generation. Amen, amen. A generation of people who will arrive in their destiny. Hallelujah. Amen. Dieu est en train d'élever Robo Shataya. Vous savez, il y a des gens qui ont prêché la parole. Amen. Il y a des gens qui ont prêché un miracle. Amen. Mais ils n'ont pas vécu ce que toi tu es en train de vivre. Amen. À cause de la tempête, Pierre, les disciples, ils ont dit, qui est cet homme à qui Robo Shataya? Alléluia. Qui est cet homme à qui peut obéir? Je bénis Dieu pour cet grand président qui croit en Dieu. Alléluia. Amen. Qui sont en train de dire, nous devons prier
parce qu'ils ont vu ce que l'œil n'a jamais vu. Amen. Tel qu'avantage. Alléluia. Amen. Après cette tempête, les gens vont construire. Amen. Après cette tempête, les mariages vont être restaurés. Bien-aimé, ne sois pas comme un fou. Amen. Ne sois pas comme un insensé. Après ce qui se passe dans le monde, tu dois sortir avec un message. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que les problèmes, les troubles amènent toujours les messages. Bien-aimé, profite pendant ce temps que tu es dans la retraite, que tu es dans la prière. Begin to think after tomorrow, what are we do? Amen, amen. Alléluia. Amen. Begin to think because after this, God will give opportunity to everyone amen. Who will survive. Amen. But He'll give opportunity to people who will be carrying Jesus amen. In their life. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. God bless you. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Hallelujah. Là où tu es, le bas Seigneur, I'm taking advantage on this situation. Le bas Seigneur, I will survive this. I will survive this. Le bas, oh Lord, I will survive this. Le bas Seigneur, je vais vivre. Je vais vaincre, je vais vaincre. Je vais vaincre, je vais vaincre. Je vais vaincre. Begin to praise. Alléluia. 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 You will survive. In your family, you will survive. Among your friends, you will survive. Robo Shata. Robo Shata. You will survive. Alléluia. Si tu n'avais pas encore reçu Jésus, dis Seigneur, j'ai besoin de toi cet après-midi. Viens dans ma maison. If you have never received Jesus in your life, say Lord, I need you this time. I need you. Come in my boat. Come into my boat. Viens dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pendant cette tempête, je me réponds de mes péchés. Parce que je vais survivre avec toi. Je vais surmonter avec toi. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Robo Shataya. Eh, à privé. Non, bah, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens Seigneur. Robo Shataya. God come. Fill me Father. Viens dans ma vie Seigneur. Je vais vaincre cette tempête. Oh Jésus, dans ma vie Seigneur, tu peux vaincre la tempête que le monde est en train de traverser. Tu peux vaincre la tempête de Jésus. Alléluia. You have a choice, you have a choice. You have a choice, you have a choice. Si tu avais calmé la tempête, tu peux calmer cette pandémie. Si tu avais calmé la tempête dans les jours, tu es capable de calmer les troubles. Alléluia. Robo Shataya. Robo Shetty. Adore le Seigneur. Robo Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur, tu le feras. Je crois, Seigneur, que tu vas m'amener à ma destinée. Tu vas m'amener à ma destinée, Seigneur. Robo Shataya. Eh, adore le Seigneur. Si tu avais calmé la tempête, pour que Pierre arrive, pour que Jean arrive, oh Jésus, I will arrive. Alléluia, adore le Seigneur. Amen. Mais, oh, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, alléluia. Pray, 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 pray. Begin to pray. Pray to the Lord, pray to the Lord. Pray God. Bonne la jambe, prie le Seigneur. Qui calme cette tempête. Cette tempête qui veut enfaler le destinée des gens. Cette tempête qui veut éternuer la vie des gens. Que le Seigneur calme cette tempête. Pray, pray, pray.